Burkina Faso. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a lancé une guerre totale contre les terroristes, qui a permis de neutraliser plusieurs leaders terroristes. Dans le Sahel, vers la zone de Salam, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie se sont débarrassés au petit matin du mercredi d'une importante base terroriste. Le 20, c'est une soixantaine de terroristes qui ont été neutralisés entre Déhou et Oussi par l'armée burkinabé, en représailles à une embuscade qui a coûté la vie à 8 militaires. Le 5, des dizaines de terroristes dont des leaders ont été neutralisés avec l'appui de vecteurs aériens dans des frappes de haute précision. Dans la Taboua, les environs de Patianga et du centre-nord, l'opération Pumbu aux actes de nettoyage en langue Gurunsi s'est déroulée du 25 au 29 dans la région du centre-ouest. Elle a permis de repérer et de détruire 5 bases terroristes, de neutraliser 9 terroristes, de désamorcer des engins explosifs, récupérer et détruire de l'armement et des moyens roulants et de saisir du matériel de campement. Du 26 au 30, l'armée a lancé une opération militaire d'envergure dénommée Raid du Nord. Dans les alentours de la ville de Waïgouya, 17 terroristes neutralisés, de l'armement, des munitions et des postes radio, des motos et des taxis-motos récupérés. Le mardi 27, vers 12h, une unité militaire du groupement de forces du secteur ouest a fait face à une embuscade près de la localité de Tia, province du Mouan, région de la boucle du Mouan. La vigoureuse riposte des éléments a permis de neutraliser plus de 30 terroristes. Le samedi 19, au moins 40 terroristes ont été neutralisés à Tiouagui, par le 17e groupement d'unités mobiles d'intervention de la police nationale qui a malheureusement perdu 5 braves soldats. Le samedi 16, l'armée a mené des frappes dans les régions de l'Est et du Centre-Est, détruisant ainsi une cinquantaine de terroristes. Le bilan n'est pas exhaustif, mais il montre à souhait que les lignes bougent sur le terrain de la reconquête du territoire national. Vive nos soldats, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.